ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, monsieur le ministre de la Communication. Je vous remercie d'être là pour ces jeunes. Monsieur le président directeur général de la SOMED, monsieur le directeur général, président directeur général du groupe Emilia. C'est toujours pour nous un immense honneur et un très grand plaisir d'accueillir ces centaines de jeunes pour ce forum annuel dédié exclusivement à l'orientation. L'idée de ce forum a germé pendant des années, elle a été construite dans la durée pour prolonger une stratégie, une politique que nous pratiquons au sein du groupe au niveau de tous les sites et au niveau de tout l'ensemble du processus et du parcours que suit un élève chez nous. Chaque édition est consacrée à une thématique qui répond à des préoccupations locales ou internationales liées de près ou de loin à l'éducation. Cette année, nous avons choisi de mettre ce forum sous la thématique de l'orientation comme œuvre commune, responsable et partagée pour que nous puissions montrer que l'avenir d'un jeune concerne chacun de nous et que chacun de nous a la possibilité de lui apporter l'aide nécessaire à son niveau à partir de son expérience de la vie, de son expérience de l'enseignement et de son expérience professionnelle. L'esprit, la philosophie de cet événement et sa contextualisation, sa place dans notre stratégie sera au cœur de l'allocution que notre président, M. Andalusi, va vous proposer. La parole est à vous, M. Andalusi. Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation des cadres, monsieur le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, monsieur le président directeur général de la SOMED, mesdames et messieurs les présidents et les directeurs généraux, mesdames et messieurs, chers parents, chers élèves, chers futurs bacheliers. Nous sommes heureux de vous accueillir au groupe Elbilia à l'occasion de la 5e édition des Journées des Voies d'Excellence au profit des élèves futurs bacheliers du Collège-Lycée International Elbilia et du Collège-Lycée Léon l'Africain, mais aussi des établissements associés publics du Grand Casablanca. Nous sommes également très heureux que cette 5e édition puisse coïncider cette année avec la célébration des 50 ans d'existence du groupe Elbilia. Le groupe Elbilia a construit son identité et son histoire sur le défi de l'excellence. Il installe ses élèves très tôt dans cette exigence et les dote de tous les moyens nécessaires pour la réaliser. Les remarquables résultats qu'ils obtiennent chaque année au baccalauréat national et français attestent de l'efficience de cette stratégie d'enseignement et d'accompagnement. L'expérience du terrain nous a appris que la démarche de l'orientation est capitale dans le façonnement d'élèves brillants et compétitifs. Elle nous permet non seulement d'optimiser leurs chances et de se distinguer, mais nous offre également la possibilité de les destiner aux écoles les plus prestigieuses au monde. Ceci est la raison pour laquelle nous œuvrons au quotidien pour que l'orientation soit au centre des préoccupations de notre institution et qu'elle soit renforcée par une ingénierie et une stratégie moderne. Le forum des JVE, Journée des Voies d'Excellence, fait partie de cette démarche de l'orientation, dont profitent les élèves du groupe, dès les premières années du collège et qu'ils affinent progressivement le long du lycée. Les activités du forum complètent et couronnent cette politique générale composée d'une pluralité d'actions et d'opérations d'accompagnement que les services compétents du groupe assurent dans la durée. La qualité de cette stratégie d'orientation est démontrée par les belles performances de nos bacheliers et sa fiabilité. Nous conforte dans la décision d'en faire profiter un plus large public. En effet, notre engagement depuis des années auprès des jeunes via le forum traduit notre désir de partager cette expertise en garantissant une excellente orientation physique et virtuelle à des milliers de futurs bacheliers sur l'ensemble du territoire marocain. Mesdames et messieurs, pour ces jeunes, le moment du passage du baccalauréat revêt indéniablement une importance cruciale. C'est l'année en somme où ils sont appelés de manière autonome à donner du sens à tout leur parcours scolaire passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir et choisir une orientation adéquate.
Comme on a toujours dit, il n'y a pas de mauvaises orientations, mais il peut y avoir de mauvais choix. À l'évidence, dans la tâche de l'orientation, l'école joue un rôle central. Elle sensibilise, informe et forme. Toutefois, l'apport des familles s'avère important dans l'accompagnement, l'appui et le renforcement de la motivation des futurs bacheliers, comme l'est celui des autres composantes de la société. Il nous incombe donc à tous la responsabilité de mettre en commun tous nos efforts pour les aider à entreprendre la phase de l'orientation dans les meilleures conditions possibles et avec les moyens et les méthodes les plus efficaces qui soient. Futurs bacheliers, votre forum à cette année l'insigne honneur de profiter de la présence de M. Hassan Daoudi, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Formation des cadres, M. Mustapha Al-Khelfi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, et leur présence à vos côtés est le signe de leur volonté affirmée de vous soutenir dans cette phase déterminante de votre vie. Par ailleurs, les travaux de cette cinquième édition commencent par une excellente conférence donnée par M. Taraf Amrouane, président-directeur général du groupe Sommet. Sachez donc profiter de ses enseignements, de l'exemplarité de son parcours et de la richesse de son intervention. Les JVE 2016 vous permettent d'explorer le monde des formations et des métiers à travers les stands, vous mettent en contact avec les institutions nationales et internationales les plus prestigieuses, vous offrent de multiples tables rondes et des ateliers de formation. Cette démarche est enrichie par un site internet exclusivement dédié à la pratique virtuelle de l'orientation et vous mène vers un entretien personnalisé où vous finalisez votre projet post-bac. Ce forum est le vôtre. Agissez de telle manière à l'exploiter avec soin et sérieux pour élaborer des parcours qui vous conviennent et servent vos aspirations et vos ambitions. En votre nom, je voudrais rendre hommage à celles et à ceux qui ont rendu possible cette cinquième édition et qui donnent au magnifique métier de l'enseignement toute la noblesse qu'il mérite. Ainsi, mes vifs remerciements vont à l'ensemble du personnel du groupe Elbilia, à tous les collaborateurs de sa direction, à toutes les ressources de son administration, à la grande équipe de ses enseignants dans l'ensemble de ses sites, au directeur de l'Académie de la région du Grand Casablanca, aux délégués de la région de Grand Casablanca, délégués du ministère de l'Éducation nationale, aux directeurs des lycées publics de la région du Grand Casablanca, aux établissements partenaires et amis, à nos généreux partenaires du Carrefour des métiers et des stands des écoles et institutions, aux représentants de la presse écrite et audiovisuelle, à nos invités, les jeunes du Maroc de demain, et à tous ceux qui ont, par leur généreuse contribution, leur engagement inconditionnel et leur précieux apport, porté ce projet et l'ont concrétisé. Avant de finir ce mot, qu'il me soit permis de remercier encore une fois toutes les bonnes volontés qui nous ont donné l'opportunité de faire de l'orientation une véritable œuvre commune, responsable et partagée. Encore une fois, merci et toutes et bonnes JVE à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, est-ce que vous pouvez, si vous le voulez, leur adresser un petit mot, quelques conseils, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur? Merci beaucoup, c'est Daoudi Lalerte. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدات والسادة أولياء التلاميذ طاقم البيداغوجي معشر التلاميذ الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لي كبير شرف نحضر معكم في هذه الصبحية من أجل تداول في أمر لا يهم التلاميذ فقط ولا الأولياء فقط بل يهم البلد تموقع المغرب في الخارطة العالمية مبني على مستقبل شبابنا قوة المغرب هي في قوة شبابه قوة المغرب هي كذلك في قوة عدد شبابه لأن هناك دول كثيرة ترغب في أن تأخذ شبابنا لأن عدد شبابها في تناقص مستمر وأعطي نموذج كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية سنة 2023 أي بعد حوالي 7 سنوات جامعاتها
سيتراجع عدد تلامذتها وطلبتها 130 ألف طالب ناقص 130 ألف طالب والحمد لله وتيرة تزايد طلبة في المغرب وتيرة تتزايد على الأقل بنسبة 12% سنويا والكل يريد أن يأخذ أقوى التلاميذ بعد البكالوريا وهناك منح كثيرة ولكن هذه المنح ليست من أجل سواد أعين شبابنا بل كثير من الدول لها رغبة في استقطاب الشباب من العالم الثالث وأعطينا مثال آخر اليابان اليوم لديها أقل من 20,000 طالب من خارج اليابان في أفق 2020 يريدون 300,000 طالب من خارج اليابان هذه الدول تربط مصيرها بقوة جامعاتها وقوة حاصلين على البكالوريا وأنا جد مسرور بأن أوجه خطابي وكلمتي هاتي بالنسبة للشباب وبالنسبة للأباء وأحذر الشباب حذاري حذاري من أن تختاروا حسب اختيار صديقكم أو زميلكم مستقبل البلد غير مرتبط بالصداقة ولا بالزمالة مع صديق أو صديقة كل يختار ليس حسب ما يرغب فيه أو حسب ما يريده أو أنا أحب هذه المادة ولا أحب المادة الأخرى أي حسب ما هو التوجه الذي يجعله من المتميزين بغض النظر عن التخصص indépendamment de la spécialité où c'est que vous pouvez être des excellents point l'excellence a toujours sa place كون قوي بغض النظر عن التخصص ولكن مع الأسف الثقافة المغربية إذا لم يكن الابن أو البنت طبيب أو مهندس ما قراش هذا خطأ فادح هناك مهندسون عاطلون هناك أطباء ربما دخلهم لا يكفي حتى لتغطية المصاريف اليومية هذه ثقافة لا بد من تجاوز هذه الثقافة أعطوني دكتور مثلا في التسويق في الماركتينج أعطوني دكتور في الميكرو إيكونومي أعطيني دكتور في الأنثروبولوجي أعطيني دكتور في الفرنسي دكتور في الأنجلي دكتور قوي في الشريعة وشد الأنجلي أعطيني ما بدناش كن متميز بغض النظر عن التخصص إذا حذاري حذاري بغيت نكون طبيبة بغيت نكون فارماسيان والتا واحد ما يمشي للفارماسي من هنا وإلا لا فارماسي اندستريال لا فارماسي سي لو بازيك تفتح حانوت مع احترامي للفارماسي لكن سي لا فارماسي بازيك راه معروفة إلا درتي لا فارماسي اندستريال في تخصصات أخرى ولكن ماشي فارماسي بور اوفرين اوفيسين هذا متجاوز عندي تقريبا اكثر من 2000 واحد خارج المغرب غادي يدخلوا لك الشوماج اذا خاص الثقافه اللي كنا كنفكروا بها في الثمانينات والتسعينات ما بقاش تغيرت الثقافه الان هناك تخصصات جديده هناك استثمارات قويه في المغرب ولا نجد اطرا وماشي دائما الدراسات الطويله هي الاكثر ربحا والشباب اللي كيخدم غير تيفكر في الفلوس وخارج التغطية هذا هو المشكل ديالنا لا فيلا لا فواتور دي كابوطابل تعرفوا في فرنسا في سنوات 1920 لي زاني 20 دو سيكل ديرني كيل ايتي لا مود ان فرانس لا غراند فيلا لا فواتور دي كابوطابل Comment on l'appelle? Tu m'as dit le français. Comment on appelle cette période? Les années folles. La France était folle. On l'appelle les années folles.
parce que on était à côté de la plaque. Le behaviorisme. Après tout, le behaviorisme. C'est les apparences. Il faut paraître et non pas il faut être. Quand on paraît cravaté, boîte téléphone, boîte. Parfois, on a tout à l'heure, mais c'était juste une loula. On dit qu'on t'a donné juste une loula. Quand je suis chez moi, je suis là, 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 On ne se valorise pas avec un chiffon. On ne se valorise pas avec un téléphone. On ne se valorise pas avec un foulard, avec une griffe. On se valorise qu'est-ce qu'on a dans la tête, qu'est-ce qu'on fait, peut faire avec ses mains. Vous êtes des intellectuels, vous ne m'avez pas dit le jamia. Mais vous avez dit que 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 خاصو فيلا الصالون فيه 1000 متر وخاصو يعرض دائما باش الناس يشوفوه بلي راه عنده صالون كبير ورد فوا عايشي في لاكاف ما تيم قام تي بروفيت ميم با دو سون صالون خلي هذاك ما الثقافه الا ديتو هذيك الثقافه فاسدي من هنا انتما سي لا جينيراسيون دي زاني 30 40 دو سي سيكل 2030 2040 2050 سي فيني نديرو الصالون كان قصر الحفلات راه في اليابان تتمشيو لو بلافون دروك انا ما نوقفش في الديور جداد في البلافون لا ميزون انت غير النعاس اون سي فالوريز با افيك سا اون سي فالوريز با افيك لا فواتور ني افيك لا ميزون ني افيك دي بوت جون سي ريان دونك الا خديتو بهاد المنطق لا تيت لي مان Qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos mains? Qu'est-ce que vous avez dans votre cervelle? Deux variables fondamentales. A dit, il y a l'avenir dire. Qu'est-ce qu'une voiture? Qu'est-ce qu'un mur? Vous grattez, c'est des cailloux, c'est du sable, des choses que vous jetez, que vous piétinez dans la rue. Et d'abord, le mur. Donc, nasiha, il y a al-ilm, thumma al-ilm, thumma al-ilm, thumma al-ilm. Tout le reste, c'est une faiblesse. Qu'est-ce que la mode? Qu'est-ce qu'on essaie de montrer? On veut se valoriser avec ce qui nous paraît bien dans son corps. Pour cacher quelque chose. C'est de la folie. Donc, les jeunes ne doivent pas s'inscrire dans la logique de la rue. Ils doivent s'inscrire dans la logique japonaise ou la coréenne ou autre. Ou Hadari, le Bnet. D'abord, j'ai été là, les films le brésilien ou le turquais ou le Agda. Ils ont le flou sur la télévision. Les garçons, le café, le foot. Mais si, j'en sais rien. Mais il y en a un peu. Mais tu sèches les cours pour aller voir un match. Mais c'est de la folie. Mais si je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis La même chose, les films. Je suis là. Un peu de cinéma, un peu de sport. Obligatoire. Mais pas trop. Quel est l'équilibre? Je suis là. Je suis là. Je suis là. L'organisation. Sommes-nous organisés dans notre travail? J'ai reçu deux leçons en français. Le oula, quand on dit un ami, c'est que l'hadiaf la cité universitaire. Il était excellent, il était en train de moujumé. Il était en train de le bureau, mais il était en train de le bureau. Tout le haja rangé à sa place. Il était en train de le moudrage, quand le talib, j'ai oublié le cas. Il était en train de le bureau. Il était en تنقول له انت الا مشيت للبيت ديالك غنقلب تقشيره هنا الصباط هنا كل صباح ماما فين السروال فين القميجه لو لي ني با في ديزورغانيزي لو ترافاي لافونيغ سي لورغانيزاسيون اللي منظم في الحياه ديالو غادي يكون منظم حتى في الدراسه ديالو حتى في المراجعه ديالو
النقطة الثانية غادي نقولها للآباء ولادكم مفشين بزاف لأن أونسينيون راه آب دوفيس رانا نمشي أونسينيون ولادنا مفشين أنا عطاتني بنت درس في 71 فرنسا Le lundi, on était autour d'une table, on mangeait, on discutait. Le week-end, Katna, ma maman m'a vendu des tomates. La maman a vendu des tomates à sa fille. Pour moi, c'était une folie. Après, peut-être un col, je trouve l'aïl al-faransiya, ma caisse, etc. Je suis à Khata. L'homme m'a rebat, le ben djela. Tout a un équivalent. Ma quinze fabour. Il y a un ami trop de chérie ou la grec, ma quinze n'a pas fabour le chef. L'effort, il faut faire l'effort. Barry Chehaja, il faut faire un effort. Hanaya, maman, brit mille dirhams, hak, barry bishkli, hak, fabour, on ne demande pas de contrepartie. Mais ne pas t'es juni, le héruzat l'a t'amé trop. Parce que, chassou n'a pas fabour, ou la afaka ou stade. خاصنا بولادنا على كونتربارتي على ليفور ولا ربيناهم على ليفور توت سا في غادي يكون على ليفور دونك تنقول لي ديسيبلين لو ماروك المغرب محتاج بزاف بزاف ديال التخصصات اشنو المشكل ديالنا حنا ما عندناش ما يكفي في بعض التخصصات من تقنيين ومهندسين في هذه القطاعات مثلا قطاع السيارات قطاع الطيران ما عندناش ما يكفي مي انجينيور ريزو راه انجينيور انجينيور سي فيني سي الشوماج باغ كونتر البيك داتا الانترنت دي زوبجي ما عندناش لي شيميست دو كون شيميست دو كون فيزيسيان علماء في الدراسات الاسلاميه في الشريعه عطيوني شي واحد عالم حنا كنشوفوا كاع الجهد القرضاوي فلان فلان لانثروبولوجي لا سوسيولوجي لا بسيكولوجي التخصص كلها كان بحثوا على دكاترة وكيبحثوا الأجانب على دكاترة ما كنلقاهمش دونك في الثقافة ديالنا اللي ما لقاش طب ما لقاش مهندس تيمشي للحقوق ولا الآداب غلط حتى مول 18 في الرياضيات وهذه الغلطة ديال الآباء ولا كان الاب طبيب خاص يكون ولده طبيب لا كان فارماسي خاص ولده خاص بالسيف عليه يدير داكشي اللي دار با سي با نورمال شحال من تلميذ وشحال من طالب خسر لان الاباء كيبغيو ولدهم يكون بحالهم في نفس التخصص الهوايه ديالهم ممكن يكون ان بانتر ممكن يكون ان ليترار الناس في الدكتوراه في الفرنسيه دروك انا با دكتور اون فرونسي اللغه الفرنسيه L'anthropologie, mais n'est-ce pas des docteurs en anthropologie. Donc la fac de lettres, mais c'est le dernier choix. Le droit, mais c'est le dernier choix. Un grand avocat, Philippe Mtribol, l'ingénieur. Un grand chimiste. Il y a des Marocains, un Marocain chimiste. Et là, il vient de découvrir une bactérie qui repousse les moustiques. Breveté à l'international. Je cherche à la dire. C'est une telle dire ingénieur. Donc, Redoul Bel. منين تبغيو توجيه اولا ما تشوفوش ما ترايوش الزملاء ديالكم فين مشاو راعيو الدوات ديالكم وماشي داكشي الماده شي حاجه اللي كتبغيو ما يمكنش حاجه كتبغيها 18 طون غتبغيها 40 طون ما يمكنش دونك ماشي داكشي سك جام فير نو سك جو بو فير لا او جو اتر اكسيلون بوين جو اتر اكسيلون ان لاتر Je vais être littéral. Je vais être excellent en psycho. Barrer la peinture, la peinture. Barrer le msrah, le msrah. Là où vous allez être excellent. L'excellence est recherchée à l'international. Vous êtes excellent, on vient vous prendre. On vient vous prendre. J'ai dit, j'ai des centaines et des centaines, peut-être des milliers de bourses à l'international. Mais le Japon, la Corée, la Chine, il y a des bourses. Aujourd'hui, qu'on va mettre. Dire la Chine. La Chine, t'as yamita jeunesse. Donc l'avenir ديالكم est entre vos mains. Le مستقبل ديالكم بين يديكم. Ne cherchez plus à aller à l'étranger. Vous avez presque tout
Il y a quelqu'un qui est public, quelqu'un qui est privé. La médecine, il y a 4 ans, il y avait 5 facs de médecine au Maroc. Comme ça. Il y a deux fondations plus 3 nouvelles facs de médecine. Tanja, Agadir, Bnimlel. Dentaire, on est en train d'élargir le dentaire. On a des gros besoins de dentaire. Médecine, leader médecine, des spécialités nouvelles. Mais c'est des études longues. Donc on va faire, Inch'Allah, on va dire, je le marasim, qu'il y a tib ou à l'ulum saha. Parce que si je le tib, la qu'dar la khsar, je ne suis pas un zinqa. Moumkin, il dit le mohendis. Moumkin, il dit le firmli, moumkin. A dit qu'on est des passerelles. Adna, les grandes écoles, le ST, la FST, les INSA, on des polytechniques. On va créer 18 polytechniques. Sharia, on a des instituts. On a des ENCG de l'économie. Le droit maintenant, on va créer des structures de droit, le canon ou le ulum sharia, première langue étrangère, l'anglais. Ou l'imam douche l'anglais n'a pas d'avenir. On a comme maintenant. Parfois, je n'ai pas de nom de l'Iqyanus. Ahel Kef. Mais je suis là, je suis là. Je veux dire que le juge de réel est en deux, mais je veux dire que le juge de réel est en deux. Je ne parle pas comme un stade. Je ne parle pas comme un wazir. تجربة الوزير ماشي هي تجربة الأستاذ. أنا كنت أتكلم معكم كأستاذ كمواطن. خرجوا ذوك الفلوس هما ما قوش خدامين راه قال سير شري لنا شي حاجة. ملي جا السوق ما خدامينش ذاك النقود. راه عندكم تكونوا هكذاك إلا ما عندكمش لونجلي منين تخرجوا للسوق حتى واحد ما يبغيكم. لونجلي لونجلي لونجلي. اللي عنده قاد يمشي للولايات المتحدة ولا لبريطانيا ولا لأوروبا غير ما يكونش التلميذ ولا الأب مضطر يوصل ولادو للخارج. أنا كيبقى فيها الآن هاد السنة أوكرانيا رغم الحرب تسجلت فيها 1000 طالب مغربي 1000 ورومانيا 4000 عندنا التخصصات عندنا الطب عندنا الدونتير عندنا ليزيكول دارشيتكتور عندنا لانجينيوري. نقول لكم الاركيتكتور اللي بغى يدير الاركيتكتور يلا جبنا ليكول دارشيتكتور دو فلورنس اون دي ميور اوموند فاس غتكون لي زينسا لو ريزو دو زينسا دو فرنسا كله عندنا فاس لي سكا بون لي ماروكان عندنا ليكول سنترال دو باري عندنا لي سيك في قنيطره عندنا لي غراند زيكول داك دي زيكول دانجينيري عندنا الطب. Donc, Rémi Kounch l'Ab Moudtar et Soudo le Kharij. Il a khtar. C'est mouchki. Ou elle qui n'y kounch Moudtar, et à Wal dit en Haoulou ma amkan karbo le Moussassat le Mouatil le Maghribi ou l'An Bdina l'Atirab le Kita al-Khas. Léna Sabiqan le Kita al-Khas, il kounch Mzien ou Mzien, nefs. Nefs le Moussama, gère Mouatarab. L'An, le Madaris, le Kouliat ou le Jamiat ou le Moussassat, التعليم العالي التي تستجيب لدفتر التحملات يعترف بشهاداتها. Une reconnaissance des diplômes des écoles privées qui ont atteint un niveau comparable les ENCG ou les écoles d'ingénieurs du Maroc. Donc, la panoplie est très 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 large. Et on est encore en train d'attirer d'autres investissements. On est en discussion avec l'université américaine de Floride pour s'installer au Maroc. L'offre pédagogique doit être élargie pour répondre aux besoins de nos jeunes. Les parents étaient condamnés à envoyer leurs enfants de la Russie, de la Pologne, je ne sais pas du tout. Donc, l'offre va être élargie. Aujourd'hui, on a une plateforme de voitures. تذكروا هذه السميه بالنسبه اللي غادي يدير لانجينيوري اللي عنده لوجيسيال كاتيا الخدمه موجوده ايمدياتمون pour la voiture l'aéronautique ainsi de suite. غتكون عندنا une plateforme ferroviaire عندنا la plateforme ديال la voiture la plateforme aéronautique la plateforme ferroviaire. بالنسبه للي étudiants اللي في l'informatique c'est le big data et puis fluff بزاف
البيك داتا مهندس في البيك داتا الآن في الولايات المتحدة 13000 دولار en Europe 7000 euros. Après le big data, c'est 2015, on a satisfait 40% uniquement des besoins au niveau mondial. L'Internet des objets, 2020, plus de 22 milliards d'objets seront connectés. On n'a pas d'ingénieurs pour l'Internet des objets. Donc, l'économie, marketing, gestion, on n'a pas de docteur, on en veut. Droit des affaires, l'anglais, master, l'anglais, donc aujourd'hui à Casablanca, on n'entend pas. Droit des affaires, qui maîtrise l'anglais maintenant? C'est pour vous dire, le choix, l'offre est très large, tout repose sur vos efforts. Il a pris tout le lab, l'avenir, ça se construit. Vous êtes en compétition avec les étudiants japonais et américains. C'est fini maintenant. Et neuf Casablanca, avec la société Altran, on est en compétition avec les ingénieurs flottants mobiles du monde entier, de l'Inde. On est plus performant à Casa qu'en Inde maintenant. Les investisseurs veulent venir. Vous n'avez pas suffisamment de techniciens et d'ingénieurs. Timchi ou l'Inde, on donne par milliers. Qui joue le Maghreb, on donne par centaines. Ce qui n'est pas normal. Vraiment, je dis à nos jeunes, va qu'un Havdin, un riche laboureur, son temps, sa mort prochaine. Havdin Adoul, là, oui. Fait venir souvent, on leur parle et leur dit, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins, c'est bien ça. Donc, quand on a appris une leçon, la leçon, moi, je suis pour apprendre la leçon. C'est pour se servir de la leçon dans sa vie. Sinon, encore, bon, prenez une caisse à outils. Quand on rentre en classe, on ouvre la caisse à outils, on sort ça, et dès qu'on rentre en classe, de la classe, on ferme la caisse à outils. Non, cette caisse à outils, c'est votre map road. C'est pour vous en servir dans la vie. À quoi ça sert d'apprendre ça si vous vous inspirez pas de cela pour aller de l'avant? Donc, bon courage à tous. Le Maghreb mahtaj lkoum. Il n'y a pas de chômage. Vous savez, malheureusement, 2020-2022, le nombre d'étudiants au Maroc va se stabiliser. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir trop d'étudiants. C'est un problème. C'est-à-dire, les problèmes de la Corée d'aujourd'hui, on va y arriver dans quelques années. On va manquer de bras. Le Maroc va manquer de bras. Ici, aujourd'hui, on a du chômage. C'est uniquement le taux de croissance qui est faible. Combien d'instituteurs? Vous savez, le nombre de policiers au Maroc est à peine égal à celui au nombre de policiers à Paris. Combien d'instituteurs? Combien de médecins? Combien de professeurs? Les besoins sont énormes. Malheureusement, le gâteau, le PIB, ce qu'on produit annuellement, est faible pour créer de l'emploi. Mais le Maroc attire beaucoup d'investissements. Si on forme des cadres, après, les investissements, ils viennent au Maroc à cause des salaires. Non. Est-ce que vous avez les cadres? Après, le salaire. J'ai un ami de Berre, avant-hier, il m'a demandé, il cherche un directeur de logistique à 60 000 dirhams. C'est 6 000 dollars. Aux États-Unis, vous n'avez pas ça, un directeur de logistique à 6 000 dollars, parce qu'il y en a suffisamment. On manque de bras. Toutes les spécialités. Comme on dit, toutes les langues sont bonnes, sauf la langue de bois. Tous les métiers sont bons, sauf le non-métier. Merci. Shukran, Sayyid Mouazir. Merci infiniment. J'espère que vous avez retenu parce que Monsieur le ministre vous a proposé à la fois une sagesse de la vie, une philosophie de l'orientation qui vous permet d'accroître votre propre perfection en choisissant les métiers qui sont porteurs pour vous et pour votre avenir et pour votre pays. Merci encore une fois, monsieur le ministre. Saïd Loisir.
بامكان. شكرا. بعد نسعى الى امكان لهذا الطلب. شكرا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اولا اشكر جيدا كثيرا سي الاندلسي، ميرسي بوكو بور سيت انفيتاسيون. اعتقد ان بناء المستقبل رهين بالاستثمار في الشباب، وانا بالنسبه الي الشباب كيبدا في 15 سنه، لأنها هي المرحلة التي يحدد فيها الإنسان مستقبله، ماذا يريد. ولهذا يمكن توجه بالسؤال لكم، كيف تتصور نفسك بعد 10 سنوات؟ طرحوا هذا السؤال على رأسكم، كيف تتصور نفسك من هنا 10 سنوات؟ شنو هتكون؟ هذه حوالي 10 سنوات كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، ويوميا كنستعمل النقل العمومي، وكنلقى واحد الشعار making difference، make a difference، se distinguer، أن تصنع فرقا أو تحدث اختلافا، القيمة المضافة لك في الحياة، la valeur ajoutée. ويوميا كنسال كنقول علاش هذا الشعار، وكتلقاه بزاف د المرات. مع الزمن انتبهت ان الطريق اللي كيختاروا اي واحد بحال البصمه ديالو، هي البصمه كتخلق معك والطريقه ديالك كتصنعو بيديك. ما كاينش طريق في الحياه ديال الانسان اللي كيشبه طريق اخر، كاينش، كل واحد عنده الطريق ديالو. علاش؟ لانه مرتبط بالشخصيه ديالو، بهذيك البصمه اللي عنده في اليد ديالو، هو كيدير بصمه اخرى في الحياه باش بالنجاح ديالو. والنجاح في الحياه ماشي بالضروره كيرتبط بالاستنساخ ديال نماذج كنلقاوها، لان ماشي بالضروره تكون هي النجاحات. وهذا امر كيطلب كل واحد فينا يتعرف على القدرات اللي عنده ويعمل على استثمارها. بحال واحد الانسان كيجي كيقول شنو الموارد اللي عندي، وكيشوف كيفاش يستثمرها باش يحقق ارباح. كذلك انتم لا غوسيت، هي هذه لا غوسيت، لا ريوسيت، هي اننا نستثمروا في القدرات ديالنا ونوصلوها الى ابعد مدى، وهذا لا يمكن أن يتحقق بدون الاجتهاد، بدون العمل المستمر. كتعرفوا كاين ناس أذكياء في الحياة، يمكن لكم تسولوا الآباء ديالكم، الأمهات ديالكم، أنهم فاش كانوا كيقراو كانوا معاهم ناس أذكياء، ولكن ما كانوش مجتهدين. والنتيجة أنه الأب ديالك أو الأم ديالك اللي يمكن هذا كان كيبان لهم في الدراسة هو اللي الطب، من بعد كيلقاو راسهم هما نجحوا في الحياة. النجاح في الحياة أكبر من واحد النجاح اللي كيكون مؤقت في المسار الدراسي، ولكن باش يوقع هذا النجاح في الحياة هو فاش كتستثمروا في القدرات ديالكم مع الاجتهاد. الاجتهاد هو التركيز، هو العمل المستمر، هو العمل المضني، وهو أيضا العمل الذي يتحقق فيه تكرار. كتعرفوا أنه الرياضيين كي يتقنون واحد الرياضة ما، ولكن كيديروا تدريب يومي ليس من أجل التعلم لأنه يعرف ذلك، ولكن من أجل التفوق. والتفوق هنا يتحقق بماذا؟ بالاجتهاد. ولهذا أشكر هذه المبادرة، جو فيليسيت مسيو الأندلسي بور سا، لأن النجاح رهين بالتوجيه، والتوجيه رهين بكم، وشكرا.
plaisir. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Effectivement, maintenant, dans votre vie, cherchez à laisser une empreinte, à aller en dehors des routes et à créer votre propre sentier. C'est ce qui vous permettra, non pas de suivre la vie, mais de faire la vôtre. Merci infiniment encore une fois, monsieur le ministre. Nous allons accueillir maintenant monsieur Marwan Tarafa, président directeur général de la SOMED. C'est un monsieur qui va vous communiquer à travers sa propre trajectoire, à travers sa propre lecture, aussi bien d'un projet d'étude que de la vie professionnelle, ce qu'il faut entendre par l'excellence, ce qu'il faut construire comme trajectoire et comme parcours personnel. Merci, c'est Marwan de prendre la parole. Bonjour à tous, messieurs les ministres. Siendel aussi, je tenais à vous remercier pour avoir organisé ces JVE. Je pense que c'est une initiative relativement intéressante. Le système éducatif marocain a besoin d'orientation et les élèves ont besoin de se projeter, forcément, parce que dans le milieu familial ou même souvent en classe, vous n'avez pas les moyens d'appréhender et d'avoir une idée de ce qu'est le monde de l'entreprise. Je voudrais aussi rapidement, en termes d'introduction, vous parler d'un petit peu ce qu'est la vraie vie quand on est dans une entreprise aujourd'hui et de vous dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est totalement incertain et ça, vous devez le vivre, je pense, ne serait-ce que par les échos, soit des gens qui travaillent familialement ou à travers la presse. Donc on est dans un monde incertain parce que sur les cadres politiques, beaucoup de changements, le cadre économique, beaucoup de changements, une globalisation, un événement qui peut se produire quelque part dans le monde a forcément un impact sur le Maroc. Je pense au tourisme, je pense au prix du baril, du pétrole, et que même quand on travaille dans une entreprise, qu'on est cadre, donc on y est impacté. Quand le baril augmentait, donc les gens qui faisaient de la logistique vivaient ça de façon relativement, difficilement, parce que le lendemain, il faut augmenter les prix. Bon, aujourd'hui, c'est bien, c'est à la baisse. Mais j'espère que ça continuera tant que cette sécheresse sera là. Alors je voudrais vous parler aussi, quand je parle du contexte économique, on parle souvent de performance. Alors autant avant il y avait les 30 glorieuses, et quand il y avait les 30 glorieuses, le modèle mathématique marchait, parce que en fait, en faisant un cours de maths sur la droite affine, c'était de la proportionnalité. Donc vous disiez, voilà aujourd'hui ce que je fais, voilà ce que je vais faire dans 5 ans, et en faisant la règle de 3, on arrivait à faire des prévisions. Aujourd'hui, sur une année, il n'y a pas de modèle mathématique pour faire des prévisions, que ce soit à l'échelon d'un gouvernement ou d'une entreprise. Il est très difficile de prévoir sur 3 mois, sur 6 mois, ce qui peut se passer. Alors, en quoi cela vous affecte dans votre formation, dans votre éducation? Alors, je rappelle que le système éducatif, peut-être qu'on ne vous l'a peut-être jamais présenté comme ça, mais à l'origine, le système éducatif devait répondre aux besoins de l'industrialisation. Et donc, il a adopté le même système que l'industrie de l'époque. Donc, on prend des lots d'étudiants, on met un programme de division de tâches à la chaîne, on leur fait tant d'heures de mathématiques, tant d'heures d'histoire, tant d'heures de français. Et donc, c'est comme ça que le système éducatif s'est développé, c'est universel. Et puis, donc, on a un programme. On a essayé de faire varier un petit peu la pédagogie et puis on a mis des tests d'évaluation. Donc les décideurs de l'enseignement se concentrent sur les programmes et puis les politiques se concentrent sur les évaluations parce que c'est normal, il y a un marché du travail derrière. Alors aujourd'hui, les jeunes dans partout, et ce que je dis est universel, hein, je ne parle pas du Maroc, je parle de façon globale parce que vous allez vivre dans un monde global, vous allez travailler
avec des gens qui sont issus de plusieurs nationalités, et les problématiques sont les mêmes. Alors le taux de chômage des jeunes est très simple à trouver. Vous trouvez le taux de chômage du pays, vous multipliez par deux, et vous avez le taux de chômage tout simplement des jeunes. Donc c'est la problématique. Tout le monde cherche à donner de l'emploi. Donc, comme l'a dit M. le ministre, effectivement, le PIB, il est ce qu'il est. La croissance est ce qu'elle est. Et donc, on encourage les jeunes à s'orienter vers différents domaines. Et notamment, on pense à l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat est une très belle chose, dans le sens où souvent, les entrepreneurs n'ont pas fait beaucoup d'études. Ça, il faut le savoir. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas répondu aux standards, aux normes. Et peut-être, c'est de là d'où vient la créativité d'un entrepreneur. La culture aussi que nous avons dans notre pays, qui est aussi un peu celle du bassin méditerranéen, parce qu'on tient, après les 30 glorieuses et après les années folles, au positionnement de chacun. Et effectivement, notre système, peut-être, c'est là où je suis un peu critique sur le système éducatif, il est basé sur une excellence qui est basée sur les mathématiques et je veux dire la physique, voilà. Et en fait, on fait des ingénieurs. Donc j'ai suivi ce système de classe préparatoire. Je ne pense pas que ce soit le meilleur système, parce que c'est un système élitiste. Et d'ailleurs, quand on est élitiste, souvent, on se concentre sur les 5% et on oublie les 95%. Alors je m'explique. Le meilleur professeur, c'est celui dont l'élève a la meilleure note au bac, ou c'est le prof qui fait réussir toute la classe? Et donc, voilà. Ah. Voilà. Et la meilleure école, donc, par conséquent, donc, c'est l'école qui a le meilleur taux de réussite au bac, et pas les élèves qui ont la meilleure note. Alors, pour vous dire tout simplement que, malheureusement, le système a été construit comme ça, mais réussir, ce n'est pas parce qu'on fait une école d'ingénieur ou une grande école qu'on a réussi. Est-ce qu'après on réussit son mariage? Est-ce qu'après on réussit sa vie de famille? Est-ce qu'à 60 ans, partant à la retraite, on est content d'avoir... À 65 ans, c'est ça. Bon, privé, bac à 60. 60. Bon, privé, bac à 60. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là... Parce que c'est à ce moment-là qu'on réalise réellement ce qu'on a vécu et qu'est-ce qu'on a pu réaliser et ce qu'on a pu réussir. Alors, pour vous donner un petit peu les clés de décodage sur ce qui peut vous servir maintenant, mais je vais vous donner des conseils qui vont vous servir tout au long donc, de vos études, mais également de votre parcours. Quelques principes qui vous permettront, je pense... qui m'ont servi, donc je pourrais vous les... En parlant de mon parcours, moi je ne me suis pas présenté, mais je vous parlerai, en faisant quelques signes, de ce qui m'a vraiment aidé et qui m'a permis de je ne sais pas si j'ai réussi ma carrière, mais en tout cas d'évoluer. Alors, la première chose, c'est que 80% des métiers sur les 30 prochaines années n'existent pas encore. Donc... alors que les systèmes éducatifs sont basés toujours sur des réformes basées sur le passé. Bon, Monsieur le ministre a parlé des big data. Et s'il faut s'orienter plus, si on veut faire un système éducatif performant, il faut mieux voir ce qui va se passer dans 30 ans et former les gens sur ce qui va se passer dans 30 ans, plutôt que de se concentrer sur des programmes ou qu'est-ce qu'on rajoute, qu'est-ce qu'on fait. Parce que souvent, ceux qui recrutent ne sont pas ceux qui décident des programmes. Et les évaluations sont différentes. Alors vous allez me dire, quand je fais un entretien, donc j'ai été DRH d'un grand groupe, j'ai eu de 25 000 personnes, j'ai eu donc à fixer un petit peu des orientations sur les ressources humaines, d'ailleurs qui ont changé. Alors avant, on considérait, rappelez-vous ce que j'ai dit sur le monde incertain, on parlait de ressources humaines, donc les hommes étaient considérés comme des ressources, comme de la matière première. Et puis on a compris que les ressources s'épuisent, elles s'épuisent intellectuellement, surtout dans un monde qui est incertain. Et on a commencé à comprendre, et on n'appelle plus ressources humaines, on appelle capital humain. C'est-à-dire, ce sont c'est plus des ressources, c'est un capital qu'il faut valoriser. Valoriser en matière de formation, d'accompagnement.
Alors, on va parler de l'excellence. Alors, l'excellence, pour moi, la définition est très simple. C'est une performance durable dans le temps. Alors, pour ceux qui suivent le foot, c'est très simple. Quelle est la meilleure équipe ? C'est l'équipe qui, chaque semaine, gagne. Et le management s'est servi de ce principe-là, de ces dernières années, ces 15 dernières années. On a suivi les clubs sportifs. Pourquoi ? Parce qu'un entraîneur, avec la même équipe, souvent il a des blessés, qui sont souvent les meilleurs, hein, donc joueurs qu'on blesse. Mais le meilleur entraîneur, c'est celui qui arrive à avoir une performance régulière de façon à ce que l'équipe prenne le championnat, gagne le championnat. Alors, j'ai aussi pour vous deux citations sur l'excellence. Il y en a une qui va vous intéresser, parce que je pense à vous, je pense au système éducatif. Et la première sur l'excellence, et qui vous concerne, elle vient de Marc Doré, qui est un écrivain qui a écrit « Le raton laveur ». Par définition, l'adolescent, c'est l'être bouleversé, déboussolé par l'excellence. C'est normal, vous êtes encore, on va dire, schématiquement, c'est un enfant dans un corps d'adulte. Vous êtes à la croisée des chemins et c'est une période de doute. Et il faut surmonter cette période de doute en disant que vous n'êtes pas standard. Vous n'êtes pas un produit standard. Chacun a sa particularité. Chacun a quelque chose d'exceptionnel en lui, mais c'est à lui de le trouver. La deuxième, c'est il n'y a pas de substitut à l'excellence, pas même le succès. Et ça, c'est de Thomas Boswell, qui est un journaliste dans le Washington Post, et qui est le premier, pourquoi je parle de lui, qui est le premier à introduire la notion de statistique dans le sport, dans le baseball. Et vous avez vu maintenant dans la télé, quand vous regardez un match, parce que quand on parle de performance, il faut de la mesure. Et la performance, c'est une évaluation permanente de ce qu'on a réussi et de ce qu'on n'a pas réussi. Ce qui m'amène à vous dire quelle est un petit peu la voie de l'excellence. Alors, la voie de l'excellence, c'est d'abord de s'orienter soi-même, savoir où est-ce qu'on va. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, peut-être que vous êtes encore jeune, mais c'est le moment de faire un choix. C'est à l'adolescence. À 16-17 ans, en termes d'orientation, vous devez savoir ce que vous voulez faire plus tard. Vous ne pouvez pas découvrir ça à 25 ans, c'est trop tard, c'est le chômage. Donc, dès maintenant, vous devez savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire. Vous devez aussi avoir une idée de vos forces et de vos faiblesses. Quand vous connaissez vos forces et vos faiblesses, ben, il est clair qu'il faut au maximum chercher des opportunités qui permettent d'abord de répondre à vos forces tout en minimisant donc les faiblesses que vous avez. Vous devez apprendre de vos réussites comme de vos échecs. La culture, malheureusement, aussi je parle de la Méditerranée, parce que la France n'est pas un bon exemple pour nous en termes de matière d'éducation. Parce que souvent, quand quelqu'un échoue, on lui demande et il cherche à comprendre pourquoi il a échoué. Mais jamais quand il a réussi. Alors, et pareil, dans une entreprise, des fois, pourquoi c'est très simple. Parce que quand vous avez réussi quelque chose et que vous venez voir, par exemple, supposez que quelqu'un a eu 18 et qu'il a triché, qu'il le dise à ses parents. Ils ne vont pas lui dire comment il a fait, mais il a eu 18. Dans une entreprise, c'est pareil. Même si vous vous trompez de stratégie et vous arrivez à un résultat qui est bon, quand vous dites que vous avez fait le résultat, personne ne vous demandera jamais comment vous l'avez fait. Mais vous le savez. Alors essayez de comprendre, quand vous réussissez quelque chose, pourquoi vous l'avez réussi. Après, il y a les grands principes. Les valeurs sont importantes. Les valeurs, ce sont les principes qui vont guider vos actions. Alors une carrière est très longue. Et vous allez connaître beaucoup de monde. Et vous ne pouvez pas rouler tout le monde tout le temps. D'où les principes. Alors les principes, c'est quelque chose, j'ai une grande question que je pose toujours en entretien de recrutement. Je demande souvent à des cadres dirigeants, même à des gens qui ont été présidents, je dis en quoi votre système de valeurs, en quoi votre famille ou l'école a-t-elle influencé votre système de valeurs? Parce qu'avec le management, on a commencé à parler des valeurs au niveau de l'université, au niveau de l'entreprise. Mais désolé, les valeurs, c'est ce qu'inculque votre famille très tôt
ou l'instituteur. Et aujourd'hui, dans l'école primaire, malheureusement, la famille est devenue défaillante parce qu'elle est occupée, parce qu'elle travaille, parce que aussi les valeurs de la société ont changé. Et aussi les instituteurs qui jouent ce rôle-là et qui donnent les valeurs, parce que c'est ces valeurs-là initialement qui sont importantes. Alors dans un entretien de recrutement, même quand je regarde le primaire, bon, j'ai toujours eu cet intérêt pour l'enseignement. Bien entendu, je vois quelle école primaire a été faite, parce que ça, c'est important pour situer la personne, et savoir aussi quel est le système de valeurs à travers la famille qui a été inculqué. Quelqu'un qui est honnête, il est honnête souvent dès le début. Hein. Je suis désolé peut-être de vous dire certaines, c'est pas des certitudes, mais l'honnêteté, la notion d'effort, la notion de travail, souvent c'est des choses qui s'acquièrent à l'enfance. On peut corriger, mais vous n'allez pas changer quelqu'un à 25 ans. Alors ensuite, ce qui est important dans votre vie scolaire, c'est le sport. Le sport, c'est la compétitivité. Alors souvent, c'est de la compétitivité, mais aussi ça permet de donner du leadership. Quand on n'a pas envie de perdre, quand on a envie de gagner, le sport aide à développer ce principe-là. Et bien entendu, la vie associative. Souvent, l'école, malheureusement aussi, n'a pas permis de distinguer entre... quand on parle d'éducation, on confond l'instruction. L'instruction, c'est une chose. Donc on peut instruire, donc ça c'est les connaissances, mais il y a le comportement. Et ça, c'est vraiment l'éducation. Or, l'école aujourd'hui instruit plus qu'elle n'éduque. Alors qu'avant, elle faisait les deux. Elle instruisait et elle éduquait. Et ça se voit très très vite dans une entreprise quand on n'a pas l'éducation. Alors vous me direz, quand je parle de tout ça, souvent on parle de génie. On en parle jeune et un petit peu, on casse beaucoup de talents, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants dans le système scolaire parce qu'on dit « Ah, ils sont pas intelligents ». Alors, il n'y a pas d'intelligence réelle. Hein. Ça, c'est dans la littérature, peut-être pour faire bien. Mais le génie, c'est 99% d'effort et 1% de génie. Hein. Je crois que c'est Einstein qui a dit ça. Donc, il n'y a pas d'élève plus intelligent que d'autres. Il n'y a pas de cadre plus intelligent que d'autres. Il n'y a pas de patron plus intelligent que d'autres. Tout simplement, le génie, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est le travail. C'est 99% d'effort. Alors rapidement, qu'est-ce qui vous permet, et je vais terminer, après je pense que les questions seront intéressantes. Alors, pour vous dire tout simplement que ce qui est important quand on quitte l'université, et ce que regardera quelqu'un qui recrute, et ce qui vous permettra d'évoluer, pour moi ce sont 5 choses que j'essaie de lire à travers un CV. La première, c'est la capacité à analyser. Alors détrompez-vous, c'est pas parce qu'on a fait une grande école d'ingénieurs qu'on sait analyser. D'accord. L'analyse revient au bon sens. Donc il y a des gens qui n'ont pas... D'ailleurs, vous prenez les... C'est simple, hein, dans le monde de l'entrepreneuriat, vous prenez un entrepreneur, il n'a pas fait de grandes études, mais il est capable, avec le bon sens, rapidement de comprendre ce qui est important sur un marché et ce qu'il doit faire. Ensuite, c'est la conceptualisation. Là, les études servent. Effectivement, il faut bien pas dire que l'école ne sert à rien, mais la conceptualisation est importante. Et ça, c'est un petit peu tout l'enseignement fondamental qui est important, parce que ça permet de mettre les choses en perspective. La communication est importante. Tout à l'heure, on parlait avec M. le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Combien c'est important? Alors, un grand patron américain qui a dirigé Chrysler, ça ne l'oubliez jamais, en partant à la retraite, il a dit « J'ai passé 80% de mon temps à gérer » et 20% du temps à communiquer. Si c'était à refaire, je passerais 80% du temps à communiquer et 20% à gérer. La mise en œuvre est importante, parce que dans une entreprise, et là je reviendrai sur le système élitiste de la prépa, alors en entreprise, des problématiques se posent. Et quand une problématique se pose, c'est pas parce qu'on a fait Polytechnique, Centrale, qu'on va trouver la solution.
C'est pas parce qu'on a fait des maths qu'on va trouver la solution. Dans une entreprise, on trouve une solution parce qu'on est en groupe. Et c'est là où le système éducatif un peu blesse. Il n'apprend pas aux élèves à travailler en groupe. Dans une entreprise, la solution et la vérité n'est détenue par personne. Une problématique se pose, on réunit tout le monde et on dit génération d'idées et on opte pour la meilleure idée. Et une seule personne ne peut pas avoir toute la génération d'idées. Alors, et la dernière, enfin, c'est l'accomplissement. L'accomplissement, c'est ce que vous voulez réellement réaliser. C'est vraiment ce que vous avez comme vision de vous-même et de ce que vous avez toujours voulu réaliser ou faire et que vous devez faire. Et c'est ça qui doit vous motiver. Enfin, pour terminer rapidement, il y a 7 principes qui doivent guider votre parcours et votre carrière. La première, c'est la résilience. Alors, la résilience, c'est quoi ? Donc, en mécanique, c'est la capacité d'un corps à se déformer et qui retrouve sa forme. En économie, c'est la trajectoire. La trajectoire, donc, est une trajectoire croissante. Donc, si on veut toujours évoluer, on peut rencontrer des échecs, mais il faut toujours savoir rebondir. Il faut savoir pourquoi on a échoué, il faut savoir rebondir. Le parcours professionnel le permet, malheureusement, pas l'école. Donc, c'est un peu le problème de l'orientation. La somme des échecs. Et le parcours professionnel, vous pouvez rebondir. Alors, vous allez dire oui. La tendance est générale. C'est ça, la résilience. On garde le cap. Vous gardez le cap. Même si vous avez rencontré un échec, vous rebondissez. Il y a toujours une façon de rebondir. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. La deuxième chose, c'est l'empathie. Quand vous demandez à quelqu'un quelque chose, mettez-vous à sa place. C'est réalisable ou c'est pas réalisable? Et c'est très important de se mettre à la place des autres. Parce que vous comprendrez beaucoup de choses et votre perception changera. Parce que souvent aussi, on a une perception de soi-même qui n'est pas celle qu'on retrouve chez les autres personnes qui pensent, eux, différemment de ce que vous êtes. La créativité. Apprendre à être différent. Making the difference. Apprenez à être différent, à ne pas raisonner comme les autres. L'adaptabilité. C'est surtout comprendre des fois pourquoi il faut changer. Et ça, c'est important. Tout le contexte, comme je vous l'ai dit, est en train de changer. Donc vous avez intérêt à changer et à vous repenser chaque jour. Enfin, la communication, ça on en a parlé, mais la communication est un exercice qu'il ne faut jamais oublier. Vous avez un message, vous avez une cible et vous devez avoir le feedback. Alors souvent on pense qu'on a communiqué parce qu'on a dit quelque chose. Il faut voir comment il a été reçu. D'accord ? Est-ce que d'abord vous l'avez bien ciblé, à qui il s'adresse et est-ce que ce message-là est revenu. La communication, on en a parlé, et le réseau. Alors, on vend beaucoup de choses. Bon, dernièrement, sur les start-up, sur les entreprises, mais malheureusement, c'est pas dans les bouquins de management, mais c'est ce que m'a appris la vie réelle. Quand on veut lancer une affaire, même quand on est une grande entreprise, le réseau est important. Le premier bon de commande est important. Et le premier bon de commande, vous l'avez toujours à travers le réseau. Ensuite vient l'accompagnement et le financement. Donc, dès maintenant, constituez votre réseau parce qu'il va vous servir tout au long de votre vie. Ça se développe et ça s'entretient. Et enfin, pour terminer, c'est la passion. Alors, vous connaissez vous n'avez peut-être pas fait encore la relativité ou peut-être vous connaissez la formule d'Einstein. Donc, la variation de l'énergie, c'est la masse, voilà, célérité au carré. Alors, en ressources humaines, ça veut dire quoi ? La motivation fois la compétence au carré. Si vous avez quelqu'un de très compétent, donc la compétence au carré, donc je parle fois multiplié par la motivation. Si vous êtes faiblement motivé et que vous êtes très compétent, donc ça ne sert à rien. Donc voilà, la passion doit vous guider. Merci. Merci infiniment, c'est Marwan. Retenant que vous êtes tous, et vous le serez toujours, en gestation et la vie est une incertitude, il va falloir chaque fois vous inventer par votre propre effort. Vous avez eu aujourd'hui une chance inouïe d'écouter 3 grandes personnalités qui ne vous ont pas tenu un discours théorique, mais qui ont parlé avec leur cœur, leur expérience,
pour vous transmettre ce qui n'a pas de prix, une lecture d'une vie, de la leur, mais qu'ils ont cherché à mettre à votre niveau pour que vous puissiez tirer les enseignements nécessaires. Retenez ça, c'est hyper important et cela vous servira dans votre vie énormément. Donc après ces brillantes allocutions et l'exposé de M. Marwan, nous ouvrons le débat. Donc vous pouvez poser vos questions pour clarifier des idées, demander des conseils. Nous sommes à vous. Monsieur le ministre, tout à l'heure de l'enseignement supérieur nous a demandé de faire des métiers nouveaux, des métiers qui n'existent pas sur le marché. Mais nous ne savons pas quels sont les métiers qui n'existent pas sur le marché. Prenons par exemple les pays européens ou les États-Unis. Les sociétés collaborent avec les écoles supérieures pour former des profils. C'est-à-dire qu'à la fin du cursus scolaire ou à la fin du cursus supérieur des étudiants, ils partent directement aux entreprises qui les ont choisies ou bien qu'ils ont formé en collaboration avec les écoles supérieures. Nous, en tant qu'étudiants, nous ne pouvons pas connaître les besoins d'un État. Alors, c'est à l'État d'orienter les formations en collaboration avec les écoles supérieures. Alors, ma question, pourquoi le Maroc ne collabore pas avec les écoles supérieures? Merci. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez préciser votre question? S'il vous plaît, non. Quelle est votre question, clairement? Monsieur, pourquoi... Allez-y. Pourquoi pas le Maroc? Pourquoi l'État marocain ne collabore pas avec les écoles supérieures du Maroc pour former des profils adaptés aux besoins du marché? C'est parfait, merci. Shukran. Tout le monde parle français? Correctement? Oui. Très bien. Il faut que vous sachiez que peut-être 50% parmi vous vont travailler sur des métiers qui n'existent pas aujourd'hui, que personne ne connaît. Le monde change à un rythme tel que chaque année, vous avez peut-être des milliers de métiers nouveaux qui paraissent. Donc, aujourd'hui, la science, elle est diffuse. Elle n'est pas en classe ou à l'amphi. La classe est partout, la science est partout. Il faut qu'on vous apprenne comment apprendre tout au long de la vie. Aujourd'hui, vous pouvez aller prendre les cours de Harvard il y a 2 ans. La science n'est plus le monopole de l'amphi. Il y a des universités aux États-Unis où vous ne venez plus en classe. C'est de l'enseignement à distance. Donc, vous ouvrez l'Internet, vous avez la science. Donc, quels sont les métiers de demain? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on faisait avant? Les nouveaux métiers naissent aux États-Unis. Ils mettent 4 à 5 ans pour passer en Europe, en France surtout. On attend que nos étudiants aillent étudier et revenir pour créer ces spécialités. Donc, il faut attendre peut-être plus de 10 ans. 5 ans pour passer aux États-Unis, 10 ans pour venir au Maroc. Ça fait 15 ans, ils sont déjà démodés aux États-Unis. Maintenant, on essaye de voir quels sont les mouvements des nouveaux métiers entre les États-Unis et l'Europe, et on essaie de les capter au fur et à mesure. Ce n'est pas toujours facile, mais heureusement, on a nos Marocains qui sont un peu à travers le monde, qui nous aident à implémenter les nouveaux métiers au Maroc. Donc, personne ne peut vous dire quels sont les métiers de 2030. Mais on sait les métiers de 2020, par exemple. Donc, je vous ai parlé de l'aéronautique, de la voiture, les big data, l'Internet des objets, le ferroviaire, en médecine. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un livre français qui vient de sortir, La médecine sans médecin. Pour ceux qui veulent faire médecin, aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez une machine qui opère simultanément, je dis bien simultanément, 8 personnes sans un seul médecin. La machine, il y a un technicien pour contrôler la machine. En classe, et j'ai la photo, le tableau au Japon, l'enseignant écrit, le tableau s'efface automatiquement, tout est transmis
dans l'iPad ou l'ordinateur de l'étudiant, de l'élève. Tout de suite. Ma bqach chnou qal l'oustad nqazt wahed l'harf qol li bqa tchouf. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, on est en train d'implémenter au Maroc des spécialités nouvelles qui n'existent des fois même pas en Europe. Cherchez-moi un master dans les terres rares en France. Les terres rares, c'est quand vous prenez l'iPad, vous bougez l'iPad, c'est de la terre ça. Mais c'est le monopole de la Chine. Le Maroc a 3 sites, mais on n'a pas de spécialistes. Aujourd'hui, on travaille sur la batterie au lithium. Et le Maroc a déjà produit son premier prototype. On a introduit des formations sur les schistes bitumineux. Ce n'est pas demain qu'on va former, mais on a besoin d'investissement. Donc, il faut absolument surveiller, j'ai dit, les nouveaux métiers aux États-Unis. Mais il faut que vous appreniez à apprendre. Ce que vous avez appris aujourd'hui, peut-être vous allez utiliser 20%, 30%. Mais la méthodologie d'apprendre, c'est la fondamentale. Comment continuer à apprendre? Et là, si vous permettez une idée, pour nos jeunes, souvent ne connaissent pas leur histoire. Vous appartenez à une grande civilisation. Sachez que votre pays, c'est l'équivalent un peu des États-Unis aujourd'hui. Eh oui, c'était l'imparfait. La monnaie marocaine était la monnaie jusqu'au dans les pays scandinaves. Vous avez, le Maroc est le premier à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis. La première université au monde a été construite par qui? Yallah, yallah, yallah. Oh, ma tarfouach. Fatima al-Fihriya, quelle année? Écoutez bien, 859. 859. Le 9e siècle, le pape Sylvestre II a étudié à Fès de 996 à l'an 1000. Et c'est du Maroc qu'il a pris les mathématiques. Les mathématiques se sont développées ici, chez vous. L'algorithme, c'est quoi? Le khawarizmi, non? Le jabr, l'algèbre, c'est le jabr. C'est ici que les mathématiques se sont développées. Le premier doctorat en médecine, il s'appelait Ijaza. 1207, et j'ai la copie, je peux vous la montrer. 1207. Ibn Maymoun, pour la tolérance, qui était de culture juive, était professeur à la Qaraouine. On n'avait pas d'extrémisme. Donc, il y avait un chrétien, Sylvestre a étudié à Fès, Ibn Maymoun, Maïmonide, a enseigné à Fès. Donc, vous appartenez à une grande civilisation. Et vous devez être fier. Vous ne sortez pas de la jungle. Donc, vous ne devez pas avoir de complexe vis-à-vis de l'autre. Donc, il faut avoir la tête haute. Vous allez aux États-Unis, vous dites, premier doctorat en médecine, 1207, il n'y avait pas de trace d'États-Unis. Il n'y avait pas de trace. Donc, le jeune, ça a été dit, vous portez un système de valeurs, vous portez aussi une fierté. C'est votre fierté qui vous permettra d'exister parmi les autres. Voilà le gros problème. C'est la personnalité. Est-ce que vous avez une personnalité ou pas? Si on a une personnalité, eh bien on s'impose aussi dans la société. Le leadership, c'est aussi la personnalité. Demain, vous n'allez pas être uniquement des employés. Vous allez créer vos emplois. Aujourd'hui, Google et Facebook, et ainsi de suite, qui gagnent des milliards, ce n'est pas des entreprises. C'est des gens comme vous. Bien sûr. D'autres questions, s'il vous plaît? Bonjour. Donc, ma question, elle est simple. Elle a une relation avec le nom de ce forum qui est les Journées de Voix d'Excellence. Et quand vous parlez de la notion de l'excellence, est-ce que vous entendez par cela uniquement
le fait pour une personne de briller dans ses études, ou est-ce qu'il ne faudrait pas enrichir le sens de la notion en la liant à la personnalité, à la participation sociale, à la correction éthique? Alors, je disais tout à l'heure que la définition de l'excellence, c'est une performance durable. Alors, ce que j'entends par là, et ce qui est important, c'est que j'ai parlé d'orientation. Donc, il faut savoir dans quoi on peut être excellent. Et ça, il faut en être convaincu. Ce n'est pas un reflet social, et surtout pas un reflet social. Parce que si vous prenez le reflet social, c'est standard. C'est ce que disait un petit peu tout à l'heure monsieur le ministre. C'est une grande villa et une voiture décapotable. Si vous limitez ça, votre vie, votre avenir à ceci, ça, on ne parle pas d'excellence là, on parle de classe sociale, on parle d'autre chose. Donc l'excellence, c'est choisir dans quel domaine vous pensez être le meilleur et rester le meilleur dans ce domaine-là. Ça peut être un artiste, ça peut être un footballeur, ça peut être un docteur en économie. Donc l'excellence n'est pas faire les grandes écoles, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Bonjour. Donc, moi, j'aimerais savoir si le mot exceller ne serait pas un moyen détourné, surtout de nous faire comprendre que notre vie future et présente aussi C'est pas grave. Reprenez votre question. Ne sera faite que de compétition et de stress aussi. Je crois que M. Malouane pourrait enchaîner parce que c'est un peu ce dont vous avez traité tout à l'heure. Cyril Khelfi, c'est vous. Je vous ai dit, on le vit aujourd'hui. On est dans un monde incertain. Donc il est clair que la compétition va être de façon récurrente et quotidienne. Donc qu'on soit au niveau d'une entreprise, qu'on ait sa propre affaire, qu'on soit dans le domaine du sport. Maintenant, ce qu'il faut apprendre, c'est gérer ce stress. Ça se gère, bien entendu. Et comment ça se gère? Ça se gère, alors je vais vous dire un secret personnel, il n'y a pas que le travail. Il y a le travail, il faut y consacrer du temps, mais il y a la famille, il y a d'autres activités à faire qui permettent d'avoir un équilibre. Et c'est cet équilibre-là qui est important pour combattre ce stress. C'est Khelfi, excusez-moi. En réalité, l'excellence, c'est comme une force motrice. Donc il faut valoriser l'excellence, mais en même temps créer un équilibre. Un équilibre entre l'école, la famille, et même un équilibre entre les ambitions. Et créer ce qu'on appelle des indicateurs de performance liés à vos compétences. Et ça, c'est un élément très, très important pour réussir. Merci. Est-ce que vous savez que vous êtes tous excellents? Aucun complexe. L'être humain est par excellence excellent. Faut-il encore qu'il découvre en soi ce qu'il peut bien faire? Les mathématiques, tout le monde est excellent en mathématiques. Eh oui. D'ailleurs, vous savez, le théorème du Pythagore, l'hypoténuse est inférieure à l'ensemble des deux côtés de l'angle droit. Le plus grand topographe au monde, c'est qui? C'est l'âne. Vous le lâchez, même s'il y a la route, il va toujours prendre l'hypoténuse. Il monte en montagne. Tout le monde est matheux. Tout simplement,
Moi, je compare les mathématiques. Les jeunes voulaient rentrer dans une forêt. Il y a un qui va se rappeler du chemin avec un seul passage. Il y a un autre qui doit nécessiter 2 passages, 3 passages, 10 passages. Mais si celui qui veut faire comme celui qui a vite compris, alors que lui, il lui faut 10 passages dans ce chemin pour se rappeler, ben il va se dire, je suis mauvais. Non. On a besoin de 10 exercices, l'autre a besoin de 2. Mais vous arrivez tous au même résultat. Donc quel est l'effort que vous faites pour être bon? Et puis, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ce que vous aimez faire, mais ce que vous êtes capable de faire. Donc, aucun ne doit avoir de complexe. Aucun. Voilà. Une autre question, allez-y. Alors, bonjour. J'essaierai de ne pas m'éclipser du sujet. Mais en fait, j'ai une question. Est-ce qu'un élève qui choisirait de continuer son parcours scolaire dans une université ou dans un BTS et qu'il arrive à briller dans ce qu'il fait, est-ce qu'on peut parler quand même d'excellence de choix malgré la simplicité? Merci. Simple, c'est beau. It's beautiful. Les choses simples. Pourquoi aller vers les choses complexes quand on peut faire des choses simples? Vous savez, pour les élèves qui ont fait de l'économie, bon, Keynes est un grand mathématicien, mais il n'a pas écrit son livre de manière mathématique. Il a dit pourquoi emprunter le train de nuit quand on peut emprunter le train de jour. Donc il a choisi le meilleur moyen de bien expliquer, de bien faciliter. Donc prenez des choses simples qui peuvent vous mener loin. Ça a été dit. Vous pouvez être un grand artiste, cinéaste, peu importe. J'ai dit là où vous pouvez exceller. Donc du simple, c'est encore plus simple pour nous. Hein. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Une autre question. Allez-y, monsieur. Ma question est adressée à Monsieur Tarafa. Alors, votre parcours représente le parcours type d'un élève marocain, c'est-à-dire passer par des prépas, une des écoles d'ingénierie. Vous êtes passé, plus explicitement, vous êtes passé du monde de l'analyse, de la mécanique, au monde des relations, de la communication et de l'économie. Est-ce que ce passage a été facile dans votre vie professionnelle? Belle question. Bien. Alors, ce qui est particulier dans mon parcours ne sont pas mes études. Bien que vous allez dire, oui, effectivement, bon, j'ai fait le cursus à la mission, j'ai fait prépa et puis j'ai fait l'école centrale Nantes. Et après, j'ai travaillé. Alors, quand j'ai démarré, voilà, ce qui est particulier, c'est pas ça. C'est pour ça que je dis, quand vous allez travailler, et ça répond à votre question aussi, et vous rencontrez des gens, vous n'allez pas leur demander à chaque fois, mais quelles études vous avez faites? On ne pose jamais cette question. Ça, on le pose quand on est étudiant. Une fois qu'on est dans le monde de l'entreprise, vous êtes en face de quelqu'un, c'est Bachrat Fidni. Sorkraoui, Bachrat Fidni Pihaja. Donc vous n'allez pas dire, ah, j'ai fait une école. Alors je vous explique pourquoi. J'avais compris que pour faire une voiture à l'époque, il fallait 300 ingénieurs et 5 ans pour développer un modèle de voiture. Et ce qui m'avait intrigué, c'est que quand une personne achète une voiture, elle ne connaît pas ce que c'est qu'un moteur, elle ne sait pas ce que c'est qu'une boîte à vitesse, elle ne sait pas ce que c'est que les rapports de réduction, et la voiture est choisie sur d'autres considérations. Et à partir de là, j'ai dit de toute façon aussi en termes à l'époque, ce qu'il faut savoir, parce que je vais revenir un peu sur tout le parcours d'ingénieur, à l'époque je voulais faire un doctorat d'ingénieur. Mes profs à l'école m'ont déconseillé de faire docteur ingénieur. Là, ce sont mes profs. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en fait, le système, et je vais revenir à la crise financière, les ingénieurs en fait sont faits pour faire un travail de production, un travail de direction technique, un travail de recherche. Mais comme on a voulu, à un moment donné, modéliser la finance, on a mis les ingénieurs au niveau de la finance.
Et ça a marché tant que le modèle n'était pas incertain. Et ça a marché sur la base d'un modèle mathématique des années 36 qui est arrivé à terme avec le choc financier qu'a connu le monde à partir des années 2000. Donc voilà, quand on sort quelque part des gens qui sont formés naturellement pour faire des choses, ben on arrive souvent à la catastrophe. Les ingénieurs n'étaient pas faits justement, je pense, pour faire de la finance. Parce qu'ils ont oublié paramétrer. On peut paramétrer des données physiques, on ne peut pas paramétrer le comportement humain. Alors je reviens à mon parcours. En fait, j'ai commencé, ce qui est particulier, c'est que j'ai fait toutes les fonctions de l'entreprise. Ça veut dire que j'ai été directeur commercial, marketing, production, logistique et finance et audit. Et je l'ai fait dans plusieurs secteurs. Mais comme je suis fils d'enseignant, donc mon père n'était pas patron. Mon père est prof universitaire et ma mère est institutrice. Ils m'ont appris à lire dès le primaire. Et il fallait que je fasse des fiches pendant les vacances en lisant. Alors j'ai continué, c'est comme ça que j'ai appris. Alors j'ai toujours expliqué, c'est pas parce qu'on fait un MBA qu'on va réussir sa carrière. Parce qu'aujourd'hui, les gens font un master, font un MBA. Et souvent, vous allez prendre quelqu'un qui a fait un master en finance, vous allez lui poser des questions sur la finance et il ne va pas savoir vous répondre. Et même quand on a fait un MBA, indépendamment de l'université marocaine ou l'étrangère. Parce que là, quand on travaille, la finance, ça prend avec le directeur financier de l'entreprise. C'est comme ça qu'on apprend. On apprend ce qu'on fait. C'est la meilleure façon d'apprendre. Et j'ai continué à acheter des livres jusqu'à aujourd'hui. À consacrer un budget pour des livres et à lire toujours. C'est ce qui m'a permis d'évoluer. Et l'autre chose, c'est que j'ai su saisir des opportunités. Souvent, celles que ne voulaient pas les autres. Tout mon parcours, j'ai pris des situations difficiles où personne ne voulait y aller. Ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis d'élargir mes compétences et de pouvoir évoluer dans un monde incertain. Voilà, merci. Vos questions sont très intéressantes. Nous allons prendre une dernière, s'il vous plaît. Nous n'avons pas beaucoup plus de temps que cela. Pour libérer nos... On peut aller, ça dépend de vous inviter, M. Andel aussi. Deux, trois questions, c'est parfait. Bonjour, je m'appelle Mahel Andalousi, terminale STMG, collège lycée Léon Africain. Donc ma question est la suivante. Supposons qu'on fasse des études d'entrepreneuriat, que pensez-vous des banques marocaines? C'est-à-dire, est-ce qu'elles pourraient nous soutenir? Est-ce qu'elles pourraient nous soutenir parce qu'elles ne font pas assez confiance aux jeunes entrepreneurs? Merci. Effectivement, bon, l'entrepreneuriat est quelque chose de très important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment avoir une très bonne idée pour qu'un banquier puisse vous accompagner. Alors, je veux dire par là que les ressources, en général, la banque, l'entrepreneuriat, en général, est développé et c'est des subventions qui viennent des gouvernements donc pour aider, parce que la banque ne prendra pas un risque. Par contre, la banque, quand une idée vraiment tient la route, le banquier sait prendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas, on ne peut pas généraliser en disant que c'est toujours facile d'avoir un crédit par une banque. Il faut que l'idée en elle-même, que le business plan tienne la route. C'est-à-dire que le banquier, il doit dire, bon, si je prête de l'argent à cette personne, est-ce que ce business plan permet de me rembourser ou pas? C'est la question que se pose un banquier. Mais ça, c'est toute une problématique et je pense que et le gouvernement à la tête et bien entendu les banques devrait y réfléchir un peu plus. Non, je voudrais préciser quelque chose, ne pas lier entrepreneuriat et crédit bancaire, d'abord. L'esprit d'entreprise, c'est quelque chose de transversal. Ce n'est pas uniquement celui qui veut créer sa propre entreprise. Là où vous êtes, il faut avoir l'esprit d'entreprise. D'abord, l'esprit d'entreprise doit être... C'est quelque chose de général à tout le monde. Si vous voulez investir, si au moment où vous voulez investir, si vous avez des besoins de financement,
que vous allez aller vers la banque. Mais vous n'avez pas toujours, si vous avez un ordinateur, vous pouvez créer votre entreprise chez vous, hein, sans intervention de la banque. Donc il faut penser ce qui va venir, c'est-à-dire on pense déjà avec le passé. Vous pouvez créer votre propre entreprise de la maison sans argent. Facebook, il n'y a pas d'argent. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a un déficit, que la relation entre les banques et les jeunes est problématique et il faut trouver des solutions adéquates. On prend une autre question. Il y a quelqu'un qui a déjà le micro. Allez. Ici. On alterne. On va prendre votre question et une autre question dans l'autre rangée et nous allons arrêter. Il y a le... Attention, n'oubliez pas que nous avons une plateforme virtuelle. Vous pouvez poser vos questions. Nous vous donnerons toutes les réponses nécessaires. Il ne faut pas oublier qu'il y a, parallèlement au forum, voilà, et il y a aussi les stands, il y a les autres conférences des deux journées. Mais n'oubliez pas, le virtuel, vous pouvez poser vos questions et nous vous donnons les réponses nécessaires. Allez-y, posez votre question, monsieur. Bonjour, messieurs. Alors, je voudrais remercier notre établissement pour cette initiative. Monsieur le ministre des études supérieures, j'ai remarqué à travers votre discours que vous nous demandez d'être créatif et unique. Mais le point qui m'a marqué, c'est de ne pas être obligé de sortir de notre cher pays, mais d'y rester vu la diversité des formations proposées et des opportunités de travail. Mais j'en doute de l'accompagnement en faire. On connaît tous le chercheur Abdullah Shkaron qui a pu créer des choses que les pays les plus développés n'ont pu le faire, mais qui malheureusement n'a pas trouvé de soutien malgré son accrochement sans cher pays, le Maroc. Et que la seule réponse qu'il a eue, c'est que le Maroc ne peut rien lui faire et de ne pas l'aider dans ses découvertes. Et qu'un ancien ministre l'a invité à quitter le pays et qui est mort malheureusement dans la négligence. Alors être créatif, différent, remarquable et innovant, mais surtout attaché à son pays, permet-il la réussite. Moi, je voudrais savoir quelle est la nature de un scientifique, un économiste ou dans quelle branche. C'est fondamental parce que dans les sciences sociales, il y a l'induction et la déduction. Il y a soit on parle du général vers le particulier, soit on parle du particulier vers le général. Oui, je sais. Maintenant, vous parlez d'un cas particulier pour généraliser. Ce n'est pas une méthode scientifique pour le moment. Donc, parce qu'on ne peut pas juger en partant d'un cas. Écoutez, c'est vrai que notre pays n'a pas les moyens. Vous connaissez le PIB marocain? Le PIB, c'est le PIB, bon, on dit le PIB. C'est autour de 110 milliards de dollars. C'est absolument rien. Allez voir le chiffre d'affaires d'une petite entreprise française comme Renault. Le chiffre d'affaires. Donc on est dans un petit pays. Mais malgré ça, on fait mieux que beaucoup de pays qui ont plus de moyens que nous. Votre pays est un pays stable, où on investit beaucoup par rapport à nos moyens. La recherche maintenant, on est en train de financer la recherche, de créer des structures. Il n'y a pas le solo, c'est un laboratoire qui fait de la recherche. Si vous êtes intégré dans un laboratoire, dans une université, vous avez les moyens. Parce que aujourd'hui, partez en France par exemple, Montagnier, c'est lui qui a découvert le virus du sida. À 60 ans, c'est aux États-Unis qu'il est parti. Continuer sa recherche. Donc vous avez plus de laboratoires, plus de chances, et ainsi de suite. Mais au Maroc, on a un minimum que n'ont pas d'autres pays comme nous. Comparez le comparable, s'il vous plaît. Donc, la recherche scientifique, aujourd'hui, je peux vous assurer que ce n'est plus un problème d'argent. Mais dépenser de l'argent et le dépenser correctement, ce n'est pas jeter par la fenêtre, l'argent par la fenêtre. C'est le suivi du travail, c'est l'évaluation, ainsi de suite. C'est une spécialité qu'on n'avait pas et qu'on est en train de développer.
Mais au niveau de la formation, au moins, on vous offre presque toutes les spécialités. On n'a pas encore suffisamment de place, c'est vrai. Mais sachez, c'est fini que quelqu'un parte dans les pays de l'Est avec un bac lettres pour revenir médecin. C'est fini, il n'y a plus d'équivalence. Quelqu'un qui n'a pas 13 de moyenne au moins en bac scientifique ne peut pas revenir médecin ou ingénieur parce qu'il y a des diplômes qui se donnent gratuitement ailleurs. On est en train de mettre en place un système pour protéger le diplôme national. Vous pouvez avoir un diplôme à distance avec l'Inde ou avec les États-Unis, il n'est pas reconnu. Parce qu'il faut que nos jeunes connaissent la législation marocaine, parce que souvent ils sont victimes de certains discours. Vous ne pouvez pas préparer un diplôme à distance et demander l'équivalence. Vous n'avez pas, si vous n'êtes pas scientifique, vous ne pouvez pas faire ingénieur ou médecin ou vétérinaire ou pharmacien. Il faut absolument prolonger sa formation. Donc, faites attention. Dans certains pays, on distribue des diplômes. On veut l'argent des Marocains et non pas former les Marocains. On veut votre argent. Faites attention, ne vous piégez pas. Merci. Posez votre question, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs. Je me présente, Ayman Amail, Terminal ES. Alors, au constat que vous avez établi, ne pensez-vous pas que le Maroc devrait procéder à un changement stratégique dans son éducation, à procéder à une réforme allant du bas de l'échelle vers le haut de l'échelle, prônant un système anglo-saxon, celui de l'égalité des chances, où, par exemple, Mark Zuckerberg ou Steve Jobs, même s'ils ont quitté l'université, ont pu réussir et même donner une leçon à ces grands technocrates qui ont réussi et que, au final, ils ont eux-mêmes employé. Merci. Merci à vous. Monsieur Malouane ou... Monsieur Malouane ? C'est noisé. Allez-y, monsieur Malouane. Je pense que il y a beaucoup de réflexions en ce moment sur la réforme de l'éducation au Maroc. Je pense que tout le monde en est conscient. Donc, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, mais également le ministre de l'Éducation nationale, au Conseil supérieur de l'Enseignement. Donc, tout le monde, on est conscient. Maintenant, il faut trouver le bon modèle. J'ai toujours été contre l'importation de modèles donnés, parce que nous avons notre histoire, nous avons nos particularités, nous avons nos exceptions. L'égalité des chances est universelle. Le système marocain n'a pas failli. Hein, quand j'ai démarré ma carrière et dans l'entreprise marocaine, j'ai trouvé des gens qui étaient d'excellents bilingues. Hein. Moi, je venais de la mission, j'avais des problèmes en arabe, mais il y avait d'excellents bilingues. L'école marocaine, jusqu'aux années début 80, a formé d'excellents bilingues, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut revenir peut-être aux fondamentaux, de savoir qu'est-ce qui a réussi. Et je pense qu'au cœur, hein, personnellement, au cœur de cette réforme, c'est l'enseignant. L'enseignant doit être valorisé, doit être motivé et doit être formé. Et puis celui qui n'a pas vocation à être enseignant ne doit pas l'être. Merci beaucoup, monsieur Lolamay, puisque là vous avez eu l'avis d'un membre du conseil et de quelqu'un qui est aussi... En tant que manager dans l'enseignement, je voudrais aussi que M. le ministre puisse vous répondre à propos de la réforme. Bon, l'égalité des chances, ça n'existe pas dans la réalité. C'est simple. Vous êtes né dans une famille qui parle anglais ou français, vous êtes né dans l'Atlas comme moi, comment voulez-vous qu'on ait l'égalité de chance s'il y a déjà une longueur d'avance sur l'autre? Aux États-Unis, vous n'avez pas l'égalité de chance. Vous êtes à New York, vous n'êtes pas dans les Rocheuses. En France, vous êtes à Paris, vous n'êtes pas dans l'Auvergne. Ce n'est pas les mêmes structures. Donc l'égalité de chance, c'est d'abord la loi. Est-ce que la loi privilégie X par rapport à Y? Avant, c'est vrai, on embauchait X parce qu'il est issu de telle famille ou telle famille. Maintenant, l'embauche, c'est fini, c'est un concours. Donc, l'égalité de chance,
c'est quelque chose d'abstrait. C'est les lois qui doivent garantir l'égalité des chances, c'est que tout le monde, tous les gens doivent être égaux devant la loi. Mais quelqu'un qui est né dans un milieu pauvre, quelqu'un qui est dans un milieu aisé, une classe où il y a 50 gamins, une classe où il y a 20, vous avez donné les chances aux enfants? Non. Donc là, c'est quelque chose d'abstrait. Il faut tendre vers. En mathématiques, c'est asymptotique. Hein? L'axe des abscisses, vous tendez vers, mais vous n'atteignez jamais l'axe des abscisses. Donc c'est... Vous savez, moi, ça a été dit... Bon, je viens de lycée de Bnimlal dans les années 60. Bnimlal, c'était quoi? Petite ville. Moi, j'ai passé le bac mission. L'oral, c'était le cogito, Descartes. Donc, on n'avait aucun complexe vis-à-vis des Français. On était mieux que les Français. Quand on est allé étudier en France, on était les meilleurs. Moi, j'ai enseigné les mathématiques, donc même si je suis littéraire, mais parce que j'avais 19 de moyenne en maths en quatrième année. Donc là, ce n'est pas ça le problème. On s'orientait dans le temps, on n'avait pas tout le temps les disciplines. On ouvre le bac lettres, on n'ouvre pas un bac scientifique parce que il faut aller à Kazan. Donc des fois, vous n'avez pas la chance de faire ce que vous voulez. Là, d'accord, vous n'avez pas la chance, vous pouvez être bon en mathématiques, vous n'avez pas une filière qui correspond à vos besoins. Donc, on essaye d'aller de l'avant. Est-ce que votre pays bouge ou pas? Est-ce qu'il bouge dans le bon sens ou pas? Et comparer le Maroc, j'ai dit, aux entourages où vous êtes. Voilà le gros problème. C'est que, je l'ai dit tout à l'heure, ayez confiance en vous et en votre pays. Si vous n'avez pas cette confiance, eh bien vous avez de gros problèmes. Le Maroc est un pays qui avance. Le Maroc est vu autrement qu'il est vu de l'intérieur. L'université marocaine, je vous donne un exemple. On a lancé un appel à projet pour la recherche dans le domaine des phosphates. 29 pays, je dis bien 29 pays, ont soumissionné pour un financement marocain. Ça part de l'Afrique du Sud, les États-Unis, le Canada, les pays européens et l'Inde. Pour travailler avec vos universités. Aujourd'hui, Safran fait de la recherche dans l'université marocaine. Thales fait de la recherche dans les universités marocaines. Les Canadiens sont venus demander nos doctorants. Quand je leur ai dit à la fac de sciences, Rabat, on a 3000 doctorants, eh bien, ils veulent prendre nos doctorants. Vous êtes recherchés. Voilà. Pas. Maintenant, recherchés à d'autres sens. Donc on veut vous prendre. C'est pour cela que je vous dis, ayez confiance dans l'avenir. Vous êtes tous bons. Votre pays a besoin de vous. Vous allez rentrer dans le marché du travail autour de 2020, après 2020. Eh bien, le Maroc au rythme, il va être une base pour la construction de la voiture, l'aéronautique, les chemins de fer. Il va diversifier ses secteurs. Mais il a besoin de bras. Donc, confiance, confiance, confiance. Merci. Merci, merci, merci à vous, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre de la Communication, monsieur Khelfi. Merci, c'est Marwan. Merci, monsieur le président. C'est avec ce terme et cette valeur de confiance, nous avons eu une belle manière de clôturer cette première allocution, cette première séance inaugurale des journées d'EVA d'excellence. Vous savez très bien qu'elles durent 2 jours et qu'à partir de maintenant, nous les déclarons officiellement ouvertes. Vous pouvez aller monter voir les stands, les carrefours métiers, les écoles. Il y a des personnes qui sont là pour vous orienter. S'il vous plaît, ne quittez pas encore la salle. Merci d'attendre que je termine. S'il vous plaît, merci beaucoup. Donc il y a les stands, les écoles, les carrefours métiers. Il y a une conférence avec un magnifique parterre d'experts tout à l'heure à 13h qui portera sur les métiers de management et de gouvernance qui pourraient intéresser
parmi vous beaucoup d'élèves. On en a parlé, c'est des métiers de l'avenir, c'est des métiers importants. Donc à tout à l'heure. Pour le moment, vous pouvez déjà commencer à voir les stands. Merci beaucoup.